Daniela, la fille du comte Messeri, a disparu. Pourquoi tous ces arbres? Où allez-vous? Un loup-garou rôde dans la région. Oh, Sainte Marie, Mère de Dieu! Il faut absolument le capturer. Mais où peut bien être allée Daniela? Personne ne le sait. Il faut qu'on la retrouve. Alors ne perdons pas de temps, allez vite! Descendez jusqu'à la rivière. Ne vous éloignez pas trop les uns des autres. Restez groupés. Nous allons battre la forêt jusqu'aux grottes de Salès. Allons-y. Daniela, qu'y a-t-il? Tu te sens mal? Réponds-moi. Daniela, pour l'amour de Dieu, réponds-moi, Daniela. Tu as crié si fort. Qu'est-ce que tu as? Réponds-moi. Je t'en prie. Téléphone au docteur Simoni et dis-lui de venir immédiatement. Oui, monsieur. Va chercher ses gouttes, veux-tu? Tout de suite, monsieur. Mon enfant. Oh.
Oui, je suppose que la lecture de ces feuillets que vous disiez, mais aussi, bien entendu, l'extraordinaire ressemblance de Mademoiselle Daniela avec cet ancêtre, ont dû frapper l'imagination de votre fille. Vous étiez au courant de cette vieille histoire? Oui, nous en parlions quelquefois comme d'une sorte de vieille légende. En ce qui nous concerne, ces histoires de loups-garous, je n'y ai jamais cru. Certes. Cela peut sembler ridicule qu'un être humain se transforme en loup pendant les nuits de pleine lune, et qu'il agisse comme tel, accomplissant des actes notamment à caractère sexuel de type sadique. Et pourtant, la lycanthropie est une réalité. Mais alors, docteur, selon vous... Non, ne nous précipitons pas. Ce phénomène a été trop amplement analysé pour que l'on puisse ne pas y croire. Mais étant donné que votre fille n'a jamais eu de manifestation de ce genre, cette chose étrange qui a eu lieu hier peut avoir été déterminée par la lecture de ces vieilles chroniques, mais sûrement aussi par le fait que la créature qui en a été la protagoniste il y a 2 siècles de cela lui ressemblait d'une manière impressionnante. Mais dites-moi, comment se fait-il que Daniela ait découvert ces papiers? Je veux dire, comment les choses se sont-elles passées? Daniela, alors qu'elle n'avait que 14 ans, a été victime des violences d'une brute, ce qui bien sûr lui a causé un terrible choc. On me conseillait de lui faire changer de milieu, de l'emmener dans un endroit où elle serait en contact avec la nature. La villa de Salès me parut le lieu le plus indiqué. Si j'ai bien compris, ce fut précisément à Salès que votre ancêtre atteinte de lycanthropie fut mise au bûcher par des paysans que l'histoire avait rendu fou furieux. La contrée de Salès appartenait déjà à notre famille il y a plus de 5 siècles. Nous n'y avions jamais habité quand je pris la décision d'aller y vivre avec Daniela et Irène. Irène? Oui, c'est mon autre fille. Elle vit aux États-Unis maintenant, à Berkeley. Elle y étudie la physique nucléaire. C'est une jeune fille saine, pleine de vie, alors que sa sœur Daniela, surtout après ce qui lui est arrivé, est d'une nature opposée. Elle est toujours seule. Elle souffre d'une espèce de phobie, je dirais même de répulsion à l'égard de l'autre sexe. Une fois, un jeune étudiant qui s'était amouraché d'elle poussa un peu trop loin ses avances, si j'ose dire. Eh bien, elle eut une terrible crise et ne voulut plus le revoir. C'est un cas de sexophobie relativement évident. Alors, vous me disiez que vous étiez allé vivre à Salès. Ah oui, à Salès. Ce fut d'ailleurs un énorme sacrifice pour mes affaires, pour mon travail, mes relations. Pour en revenir à la villa, elle était meublée de façon terne et triste. Je décidai de transformer totalement ce sombre décor. L'extérieur aussi. Je voulais que le cadre devint plus lumineux, plus moderne. Je fis même construire une piscine. Malgré cela, Daniela, particulièrement depuis le départ de sa sœur, aime passer une grande partie de son temps en haut, dans le grenier, comme si elle subissait une attraction très forte de ces vieux meubles poussiéreux. Dans un de ces meubles, il y avait un tiroir secret. Daniela le découvrit, et c'est là qu'elle trouva les papiers et la miniature. Il faudra que vous restiez aux côtés de votre fille le plus possible. Il faudra que vous l'assistiez, que vous l'aidiez, que vous lui fassiez sentir assidûment votre présence. Cette thérapie me semble la plus indiquée pour le moment. S'il ne se produit aucun fait nouveau. Comment qu'entendez-vous par fait nouveau? Eh bien, quelque chose qui pourrait compromettre l'équilibre de votre fille. Voyez-vous, la violence qu'elle a subie, l'étrange attraction ainsi que l'appel du passé, les cauchemars, la découverte imprévue de vieux écrits. Mais avant toute autre chose, cette extraordinaire ressemblance avec la miniature constitue un processus de faits hétérogènes dont toutes les composantes devraient être recherchées dans la psychanalyse et dans les phénomènes de la parapsychologie. Si les hommes de culture se dédiaient d'une manière plus sérieuse à l'étude des phénomènes extrasensoriels, je suis convaincu qu'en un demi-siècle, ils accompliraient dans ce domaine des progrès beaucoup plus importants que ceux que l'on a accomplis durant toute l'histoire de l'humanité, sans que pour autant ils se fassent traiter de pseudo-prophètes, de visionnaires, voire même de fous. Comment te sens-tu, ma chérie?
ici, merveilleusement bien. Je suis heureuse. Car je sais qu'aujourd'hui, tu restes toute la journée à la maison avec moi. Tu m'as promis qu'il y aura beaucoup d'autres journées comme celle-ci. C'est une fantastique béatitude que j'éprouve là, tu sais. J'ai eu comme une révélation soudaine l'autre jour. Je me suis dit, Corrado, tu es complètement idiot. Mais songe donc qu'il y a le soleil, les arbres, les couleurs. Et ta fille aussi. Ah, mais toi, tu comptes plus que toute autre chose. C'est gentil. Tu sais, j'ai pensé une chose. Pourquoi ne ferions-nous pas un petit voyage tous les deux ensemble? Regarde, ce n'est pas le choix qui manque. La Grèce, le Mexique. Excusez-moi, monsieur. Oui, qu'y a-t-il? Un télégramme, monsieur. Ah, c'est Irène. Ils arrivent ce soir. Augusta, préparez la chambre pour Irène, voulez-vous, et prévenez Antonio d'aller les chercher à l'aéroport. Bien, monsieur. Adieu, voyage. Bienvenue à la maison, madame. Merci. Oh, comme je suis heureuse, papa. La petite fille pouvait nous faire la surprise, hein? Oh, petite sœur. Irène. Fabien, viens. Oh, mais qu'est-ce que tu attends? C'est une grande joie de vous avoir tous les deux avec moi. J'ignore encore quelles sont vos intentions, mais si vous comptez rester ici en Italie, je serai en mesure de vous trouver une situation intéressante. Le directeur du centre nucléaire est un de mes très bons amis. D'accord, mais il est encore un peu tôt pour en discuter. Et puis d'ailleurs, il faut que je termine les cours de perfectionnement. Mais je ne suis pas le seul à décider. Il y a aussi Irène. Eh bien, quoi qu'il en soit, souvenez-vous, je serai heureux de vous avoir près de moi. Daniela, qu'est-ce que tu as? Tu n'as pas dit un mot toute la soirée. Je pensais que mon arrivée t'aurait rendue heureuse, Daniela, mais tu es si loin. Je suis loin, c'est vrai. Mais ce n'est pas parce que tu es ici, au contraire. Je suis heureuse de t'avoir près de moi, mais surprise par ton mariage. Je n'étais guère préparée à cette nouvelle. J'en suis encore abasourdie. Il faudrait se voir toutes les deux demain, tu sais. J'ai à te parler de tant de choses. Il est tard, je vais dormir. Excuse-moi auprès de Fabien. Bonne nuit. Je l'ai acheté à Londres au cours d'une vente aux enchères. Bien, je crois qu'il ne nous reste plus qu'à aller dormir, nous aussi. J'avoue que je suis un peu déçue. J'espérais que ma sœur aurait été pour le moins contente de ma visite. Ne t'en offusque pas, outre mesure. Ses nerfs sont fatigués ces derniers temps. Alors, bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, papa. Le cercle magique s'est déjà formé. Il ne manque plus que ta présence. Viens mettre du baume sur tes plaies. Viens oublier avec nous le mal que t'a fait le monde. Ah.
Enfin, tu es venue, très chère Daniela. Cela faisait longtemps que je t'appelais. Ne crains rien. Laisse-toi guider par ton instinct. Son état général? Nous pensions qu'elle se reprendrait plus rapidement. Mais elle demeure encore en état de schizophasie nocturne. C'est une hypermaniaque, avec délire et complexe phobique. Quand a-t-elle eu la dernière crise? Cette nuit. Elle n'a pas dormi. Elle s'est mise à hurler en proie à une excitation psychomotrice. Et la thérapie de choc, quel résultat? Plutôt relatif. Pourtant, les signaux fa de fréquence de l'électroencéphalogramme sont tout à fait réguliers et symétriques. Électrocardiogramme? Seulement quelques signes d'altération du myocarde et des battements dissipés extrasystoliques.
En cas de crise, n'utilisez pas de neuroleptiques. Elle ne les supporterait pas. Mmh. C'est bien ce que je pense, professeur. D'autant plus que je crains une nouvelle attaque. Mmh. J'exclus catégoriquement la possibilité d'une lésion au lobe temporal du cerveau. Ces nombreuses taches rougeâtres qui apparaissent sur tout le corps m'ont tout l'air d'érythème, une forme de lupus érythémateux. On pourrait peut-être essayer une thérapie à la cortisone avec adjonction de tétracycline. Non, dans ce cas, il vaudrait mieux la narcothérapie. Oh, quelle belle surprise! Eh bien, professeur, vous deviez venir me voir, vous vous souvenez? Oui, oui. Tu es magnifique. Tu as tout ce qu'il faut là où il faut. Tu es une beauté. Oh, oui. Je suis une beauté. Vous êtes fantastique. Allez, va te reposer maintenant. Va. Cette nuit, je laisserai ma porte ouverte. Venez me voir, je vous attendrai. D'ailleurs, vous avez remarqué que depuis qu'il applique la nouvelle thérapie, elle a fait des progrès remarquables. Oui, oui, c'est exact. Ce n'est pas difficile, elle a fait plus de progrès ces deux derniers mois que pendant les 3 ans du traitement. Pardon, le professeur Travel. Vous le trouverez dans le couloir, il est en train de visiter les patients. Merci. Tu as raison, d'ailleurs, il suffit d'examiner. Elle n'est pas la seule dans le cas. Écoute-moi une seconde, Monty. Toi, tu vas aller voir Daniela pendant que moi, j'irai parler au professeur Travel. Très bien. Hier soir, j'ai longuement parlé avec le professeur Palati. Et entre autres choses, nous avons parlé de ce traitement. Eh bien, lui est absolument contre. Il voit donc la thérapie classique, bien que plus longue et nettement plus sûre. Le traitement que je considérais comme le plus indiqué n'a malheureusement pas donné les résultats que j'escomptais. Dites-moi franchement ce que vous pensez de son état. Il est tôt pour donner un jugement à ce sujet. Les symptômes que présente votre fille sont inaccoutumés et contrastants. En général, ces troubles se manifestent pendant la puberté ou l'adolescence. Mais Daniela, elle, est une femme au plein sens du mot. Mais il doit bien y avoir quelque chose à tenter. Docteur, dites-moi s'il a au moins une chance de guérir. Voyez-vous, il y a des cas où le malade se comporte comme s'il ne voulait pas guérir. Ou plutôt, comme s'il voulait cacher le mal dont il souffre. Et malheureusement, Daniela appartient à cette catégorie de malades. Il est évident que sa personnalité a été écrasée sous la force d'une violente décharge névrotique. Ce que vous m'avez dit au sujet de son ancêtre est révélateur. L'essentiel pour l'instant est de faire de notre mieux pour que cette tension ne déchaîne pas cette étrange énergie du cerveau qui nous est encore inconnue. C'est terrible. Il n'est pas facile, je vous l'ai dit, de se prononcer. Mais cela ne veut toutefois pas dire qu'il faut désespérer. Je dirais même que tous les espoirs sont encore permis. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Je suis venu te voir. Il y a longtemps que j'aurais dû venir, je le sais bien, mais la mort de Fabien m'a bouleversé à un point tel que... Fabien, tu y tenais à Fabien, hein? Ce que tu aimais en lui, c'était sa manière de faire l'amour. Daniela, mais qu'est-ce que tu dis? Je vous ai vu pendant que vous faisiez l'amour. Tu étais obscène. Quelle scène dégoûtante! Mais toi, tu étais en extase. Tu étais heureuse de faire l'amour avec lui. Moi aussi, j'aurais aimé le faire avec lui. Je te hais! Tu es une garce, une fichue salope! Et je ne veux pas que tu restes! Sors d'ici, disparais! Oh, allons, calme! Je vais te toucher! Tenez bon, il y a le premier. Il est raisonnable, voyons. Voyons. Tenez bon, oui. Thank you.
Vous voulez un peu d'eau? Oui, merci. Détachez-moi, je vous en prie. Je vous en supplie, aidez-moi. J'en ai assez de cette torture. Maintenant, je suis calme. Que pourrais-je faire? Je n'ai pas le droit de le faire. Je vous en supplie. Allons, calmez-vous maintenant. Il ne faut pas vous agiter. Je ne veux pas rester. Non, non, non. Vous êtes ici pour vous soigner. Faites un effort sur vous-même. Détendez-vous. Maintenant, vous allez dormir et vous verrez que demain, tout ira mieux. C'est bon, je te tuerai, imbécile, espèce de putain. Bonjour, toi. Tu es nouvelle? On ne se connaît pas encore. Je mourrais d'envie de te rencontrer. Je m'appelle José. Et toi? Oh, tu as la peau douce. Tu as très joli corps. On fait la paix, ma chérie. Tu veux que je te détache? Oui. Oh oui, je t'en supplie, fais-le. Détache les liens, c'est si dur. Thank you.
Voici les clés, docteur. J'ai mis vos valises dans la voiture. Merci, Renata. De rien. Aldo? C'est toi, Aldo? Qui est-ce? Ça suffit, tu entends, Aldo? Réponds-moi, Aldo. Qui est là? Aldo! Essayez de vous souvenir. Il y a un mois, on a retrouvé le corps d'un jeune Américain en bas d'une falaise, près de la villa d'un industriel. Oui, contrée de Salès. Ah, et que racontait votre grand-mère? Bon, ce sont des contes de gens de la campagne. Elle disait qu'à son époque, lorsqu'elle était jeune fille, il y avait un individu dans son village qui, durant les nuits de pleine lune, se transformait en un loup monstrueux. Et qu'il attaquait et griffait toutes les personnes qu'il rencontrait. Vous parlez d'une histoire. Et elle prétendait aussi que ceux qui naissaient durant la nuit de Noël étaient destinés à devenir eux-mêmes des loups-garous. Quelque chose me dit que ce que vous racontez votre grand-mère ne relevait pas entièrement de l'imagination paysanne. Allez, au boulot, Harry. Attendez-moi dans la voiture pendant que je téléphone. Bonjour, monsieur. Commissaire Modica, brigade criminelle. Asseyez-vous, monsieur le commissaire. Merci.
Si vous êtes venu pour m'informer de tout ce qui est arrivé hier soir à la clinique, je sais déjà tout. On m'a déjà téléphoné ce matin à l'aube. Je ne sais pas si vous me reconnaissez. Nous nous sommes rencontrés il y a un mois environ, à la suite d'un terrible événement. J'étais chargé de l'enquête sur la mort de votre gendre, tombé de cette sorte de falaise, sans doute pour éviter d'être terriblement déchiré par vos chiens. Oui, je me souviens. Ma fille Daniela a tellement été bouleversée qu'elle ne s'est jamais remise psychiquement, et depuis ce jour-là, je la fais soigner dans cette clinique ou cette nuit. Oui, mais depuis, il y a eu une autre victime. Le docteur Anne Savelli? Non. Le docteur Savelli est dans le coma actuellement. Mais elle s'en sortira, d'après les médecins. Mais alors, qui est-ce? Une jeune paysanne. Ce matin, à l'aube, à quelques kilomètres de la clinique, on a trouvé un corps. Il est apparu tout de suite qu'il s'agissait d'une jeune paysanne. Elle avait été sauvagement assassinée. Je ne vois pas le rapport entre ma fille et cet assassinat. Les signes de violence trouvés sur le corps de la jeune femme sont identiques à ceux qui ont été trouvés sur le cadavre de votre gendre et qui furent attribués à la chute et aux morsures des chiens. Ma fille Daniela est malade. Nous ne pouvons pas la guérir. Je suis désolé. Je comprends fort bien votre douleur. J'espère qu'un jour la science trouvera le moyen de guérir votre fille. Mais il faut aussi que vous compreniez que je fais mon devoir et que je dois trouver votre fille avant qu'elle ne puisse faire du mal. Vous êtes venu en supposant que Daniela ait pu se réfugier chez moi. Il n'en est rien. Je vous assure qu'elle n'est pas ici. Fouillez toute la maison. Interrogez qui vous voulez. Faites donc votre devoir et faites-le jusqu'au bout. Je vous assure que je ferai preuve de la plus grande discrétion. Croyez-moi. Daniela qui l'a donc tué, mon Fabien. Jamais je ne pourrai pardonner. C'est un monstre. Qu'a-t-elle pris à la place de ses vêtements? Une jupe fantaisie et une chemisette marron. Neuves toutes les deux. Oui, tout à fait neuves. Oui, et justement, hier, la couturière les a fait livrer. Et puis, une paire d'escarpins. Ils étaient neufs, eux aussi? Non, mais ils étaient en bon état. Ouais. Vous dites que vous l'avez bien vu. Lorsque je suis revenue du marché, je l'ai vu sortir en courant comme une dingue avec ma jolie blouse sur le dos. Est-ce que c'est elle? C'est elle, oui. Arrigui. Commissaire. Envoie ça à tous les commissariats, en spécifiant que la femme déjà signalée est vêtue d'une jupe fantaisie et d'un chemisier marron. C'est compris? Et d'accord, monsieur. Alors, vous la connaissez? Oui, on la connaît. Et qui est-ce? Une petite voleuse. La prison.
Ah, ça mérite pas de pitié, ces filles-là. Hein. Croyez-moi, entrer ainsi chez les honnêtes gens et épouvanter les personnes. Hein. Mais où va-t-il, notre pauvre monde? Eh, que voulez-vous? C'est l'époque qui veut ça. Je vous en prie. Oh, dites mes vêtements, je les veux, j'y tiens. Hein. Oui, oui, bien sûr, oui. Et la police la retrouvera, la voleuse, c'est sûr, oui. Il faut l'attraper, cette fille. Mais oui, madame, ne craignez rien. Nous avons votre adresse. Nous vous aviserons. Allez, au revoir. Au revoir. J'ai vraiment eu beaucoup de chance de vous rencontrer. Ah oui? Oui. J'étais dans une situation terrible. Moi, je pense que dans la vie, tout a une limite. Vous pas? Lorsqu'il arrive que deux personnes ne peuvent plus se supporter et qu'elles étouffent, alors il vaut mieux partir. Oui, peut-être. Peut-être que vous avez raison. Il est inutile d'essayer de s'accrocher l'un à l'autre. Quand les choses ne vont plus, il vaut mieux s'en aller chacun de son côté et tout oublier. Et c'est sans doute le meilleur remède. Mon mari est d'une jalousie maladive. N'arrêtez pas de me maltraiter. Regardez, voyez ce qu'il m'a fait dernièrement. C'est un fou. Il est déchaîné, il est comme un animal furieux. Regardez. Regardez tous les bleus que j'ai. Oh. Vous voyez? Voilà pourquoi je suis partie. J'en avais assez. Ah, c'est fini. Il est trop fait me dire. J'ai eu très peur, vous savez. Mais maintenant, vous ne rentrez pas chez vous? Rentrer à la maison et encore subir des mauvais traitements, il faudrait être complètement folle. Et je ne le suis pas, cher monsieur. D'accord, mais votre mari va vous chercher, c'est évident. Non, je crois que mon cher époux est très heureux que je sois partie. Oh, il ne faut pas dire ça. Bon, nous allons bientôt arriver. Où comptez-vous aller? J'en sais rien. Ce n'est pas un problème. Je vais m'occuper de vous. J'ai une maisonnette, une sorte de refuge, pas bien grand, où je vais quelquefois quand j'ai besoin, disons, d'oublier la monotonie, de fuir les problèmes de la vie. Si vous acceptez, je vous y invite volontiers. Et voilà, je suis plus à mon aise comme ça. Allons, déshabille-toi, toi aussi. Ah, ah. Tu préfères qu'on te déshabille. Tu as raison, c'est plus excitant. Allez-vous-en, ne me touchez pas. Non, mais dis donc, mais qu'est-ce qui te prend? Tu as cru que j'étais assez couillon pour gober ta petite histoire? Le mari violent, la jalousie, la fuite? Tu n'es pas la seule à raconter ce genre d'histoire. Les filles de ton genre racontent toutes la même chose. En principe, elles en mettent encore plus. La maman à l'hôpital, le môme à l'orphelinat. Hein? Allez-vous-en, sortez d'ici. Dis, je suis chez moi ici. Tu veux jouer? D'accord, j'aime bien jouer, moi aussi. T'aimes qu'on te viole, hein? Alors résiste. Hein? Résiste. Non. C'est parti. Très beau coup. Vous y jouez? Non, non. Mais je connais le jeu. Dommage. Autrement, on aurait pu faire une partie. C'est drôle, même lorsque je joue seul, cela me détend d'une façon inouïe. Je vous crois. Et je comprends ça, professeur. Je vais être malheureusement obligé de vous déranger. Parlez, parlez, je vous écoute. Eh bien, ce que je voulais vous dire ne manquera sans doute pas de vous surprendre. Je suis d'accord avec vos théories sur la lycanthropie, bien que moi, je ne puisse fournir aucune explication scientifique à l'appui de mes dires. Mais ce que je ne m'explique pas, c'est le dernier meurtre qu'elle a commis. Vous êtes sûr qu'il s'agissait bien de Daniela? Oui, je suis sûr que c'est bien elle. La description que m'en a fait le concierge ne laisse aucun doute. Jupe fantaisie, chemisier marron, et il l'a reconnue sur la photographie. Est-ce qu'on vous a dit que Daniela, lorsqu'elle était enfant, avait été victime d'une brute? Après cet épisode, le caractère de la jeune fille a subi une transformation profonde. En elle, on réaffleurait des complexes ancestraux. À savoir? Sans oublier que dans l'entourage familial, on parlait souvent d'un fait advenu 200 ans plus tôt, bien que l'on attribue ce fait à une légende.
Et puis tout à coup, un beau jour, cette légende devient réalité. La réalité se trouve étayée le jour où l'on retrouve un portrait dans lequel la jeune fille se reconnaît. Ainsi naît en elle la conviction d'être la réincarnation d'une ancêtre. Une réincarnation ? 200 ans plus tard ? Nous sommes tous les cellules d'une immense créature universelle qui, hélas, nous demeure inconnue. Nous sommes entourés par l'occulte. Et entre autres choses occultes, il y a aussi le processus de la réincarnation. Une théorie suggestive est tout à fait fascinante, et qui plus est, apparemment logique. Il suffit de songer au phénomène de la télépathie, des apparitions ou des rêves, ou bien des guérisons extraordinaires par l'imposition des mains. Tout cela est loin de justifier son comportement. Et pourtant, une justification existe. Dans un esprit dérangé comme celui de Daniela, il y a concomitance de deux faits. La conviction qu'elle est la réincarnation d'une ancêtre et la répulsion pour l'acte sexuel. Supposons que ces deux composantes troublent son esprit au même moment. L'arrivée d'Irène, sa sœur, accompagnée de son jeune mari, précipite les choses. Elle se sent probablement attirée par son beau-frère, mais sa répulsion pour tout ce qui est sexuel a le dessus. C'est une nuit de pleine lune, et l'esprit de Daniela a subi l'influence de l'astre. Lorsque l'esprit d'un mort pénètre et occupe un corps, la personne possédée connaît le même destin que celui de l'entité qui s'est réincarnée. Alors, Daniela attire son jeune beau-frère dans le bois où deux siècles auparavant s'est produite la tragédie de l'ancêtre. Et là, en proie à la fureur lycanthropique, elle le tue. Arrivé à ce point-là, son esprit ne tient plus et commence la dissociation schizophrénique. Je l'ai gardé pendant plus d'un mois en observation. Je suis donc certain de ce que j'avance. Puis c'est de nouveau la pleine lune. Daniela en ressent le mystérieux appel. Alors elle tue cette pauvre innocente pour être libre. Une petite minute. L'autopsie du corps de la victime nous a appris qu'elle avait eu des rapports sexuels peu de temps avant de mourir. Et alors, la fille est morte dans un fenil où probablement elle avait retrouvé son amant. Daniela les a vus. Une fois de plus, les deux composantes sont réunies. Elle tue. Puis se met à errer sans but, accomplissant des gestes qui sont apparemment rationnels, comme le vol des vêtements. Enfin, elle rencontre ce vieux beau, une espèce de don Juan. Celui-ci, faisant croire qu'il veut la protéger, la persuade de l'accompagner dans son appartement et fait subir à Daniela cet acte de violence qu'elle a subi étant gosse. Daniela se rebelle et tue une nouvelle fois. Que faites-vous là? Si c'est l'autobus que vous attendez, ça m'étonnerait qu'il leur passe un dans le coin. Venez, ne restez pas là. Finirez par prendre une bronchite, voyons. Il y a une belle averse qui se prépare. Allons, venez. Moi, j'habite pas loin d'ici, un ou deux kilomètres. Si vous ne savez pas où aller, je peux vous offrir l'hospitalité. Vous ne pouvez pas rester dehors avec un temps pareil, c'est absurde. Ça, c'est la photo du départ du Grand Prix de Yougoslavie. Une scène du tonnerre. Mais il est toujours aussi dangereux, votre travail? Oui, pratiquement. Mon métier, c'est le danger. Stuntman, cascadeur cinématographique. C'est ça, mon travail. Pour le moment, je vis dans ce village western, un village abandonné. Souvent, quand il y a des scènes dangereuses à tourner, c'est moi qu'on appelle. Quand les acteurs célèbres, les vedettes de l'écran, ne veulent pas prendre de risques. Si vous saviez combien de fois j'ai risqué ma vie. Quelque chose me dit que vous avez dû être déçu par les hommes. En ce qui me concerne, vous pouvez être tranquille. Vous prendrez un lit à l'étage du dessus. Jusqu'à présent, les femmes qui sont restées avec moi l'ont toujours fait de leur propre gré.
Tu es une très bonne actrice, Daniela. Bien que je te félicite. Coupe le fil, Daniela. Ici. Voilà, parfait. Quand il s'agit de détonateurs pour l'arrivée des balles, je préfère les préparer moi-même. Si c'est pas bien dosé, ça peut être dangereux, très dangereux. Et moi, je tiens à ma peau. À l'argent aussi, d'ailleurs. Alors, plus c'est dangereux, plus je me fais payer. J'ai bien réfléchi. Il y a un mois qu'on s'est rencontrés. Et je pense que tous les deux, on s'entend plutôt bien. J'ai une belle petite somme de côté. Je voudrais t'amener ailleurs. Dans un endroit moins isolé. J'ai vu un beau petit appartement. Dès que j'aurai fini ce film, on déménagera. Toi, tu t'occuperas de l'ameublement. Pourquoi tu ne réponds pas, Daniela? Tu ne crois pas que c'est une bonne idée? Pour une femme, ce n'est pas drôle ici. Daniela, c'est toi. Mais où est-ce que tu es? Je ne peux rien te dire aujourd'hui. Mais bientôt, je te promets que tu sauras tout. Écoute, Daniela. Je t'en supplie, papa. Daniela. Laisse-moi te parler. Il faut que je te demande une chose très importante. J'aimerais tant que toi et Irène, vous oubliez ce qui s'est passé. Je voudrais que vous me pardonniez. Toi, tu sais que c'est ce mal dont je souffre qui m'a fait faire toutes ces horribles choses. Mais maintenant, il s'est produit un événement et je ne suis plus la même. Je suis guérie, papa, tu entends? Daniela, il faut que tu me dises où tu es. Ah, c'est formidable, tout bonnement formidable. Cesse de te préoccuper maintenant. J'espère t'embrasser dans quelques jours. Il faut que je te dise. Non, écoute-moi. Non, Daniela. Je te téléphonerai.
l'avez bien dit que ça valait le coup. Regardez-moi ça. Ouvre ou on défonce la porte. Alors tu ouvres. Oh, sortez d'ici. Allez-vous-en. Et maintenant, on va se taper une petite jambe en l'air. On va en avoir pour d'autres fois. Faites pas de bruit. C'est Lucas. Daniela! Daniela! Daniela? Daniela, tu réponds? Vas-y, Alvaro, c'est à toi.
Allô? Oui, il est ici. Il n'est pas loin, je vais l'appeler. Hein? Attendez une petite minute. Alvaro! Au téléphone, on te demande au téléphone. Alvaro! Alvaro! Merde! On a fouillé de fond en comble la maison de Luca Mandini. Vous savez, ce jeune gars qui travaillait dans le cinéma et qui a été trouvé il y a 3 jours mort lardé de coups de couteau dans sa maison. Ah oui, un règlement de compte, si je ne me trompe. Et vous êtes revenu bredouille, j'imagine. Eux sont bredouilles. Moi, non. Allez-y, Arrigui, je vous écoute. Il y avait dans un coin de la chambre un panier où l'on met les choses à repasser ou à laver. Et j'y ai dégoté une jupe fantaisie et une chemisette marron. Vous croyez qu'il s'agit de... J'en suis sûr. Je voulais en savoir plus à ce sujet, alors j'ai fait ma petite enquête dans le coin et j'ai glané différents trucs qui valent le coup. La patronne de la boutique d'alimentation, qui est du genre concierge, m'a appris beaucoup de choses. Elle m'a dit que ce Luca Mandini était un brave garçon et que depuis un mois environ, il vivait avec une jeune fille blonde, plutôt belle. Alors j'ai sorti en vitesse la petite photographie, je lui ai mis devant les yeux et elle l'a reconnue sans la moindre hésitation. Bravo, Arrigui. Allô, Laurenti, Modica, à l'appareil. Oui, oui. Mais je voudrais savoir à qui appartiennent les empreintes qu'on a relevées sur le manche du couteau qui a tué le jeune cascadeur Luca Mandini. Oui, oui, d'accord, je reste à l'appareil. Il y a une chose qui me laisse tout de même rêveur. La nuit du crime, la lune était pleine. On ne m'enlèvera pas de l'idée que cette fois-ci encore, c'est Daniela qui a commis le crime. Oui? Elles appartiennent à un prix de justice. Et le lendemain, il a trouvé la mort dans l'incendie de sa vieille baraque. Merci, Laurenti. Vous devriez rentrer chez vous maintenant. Je vous remercie, commissaire, mais j'ai encore plusieurs choses à régler. J'avoue que je ne vois pas. Cette jeune femme se volatilise pendant tout un mois. Nos recherches ne relèvent aucune trace, aucun indice, rien. Puis un beau matin, elle téléphone à son père et elle lui annonce qu'elle est guérie.
Elle est heureuse. Pourtant, elle refuse de dire où elle est. Et on découvre maintenant qu'elle a vécu pendant 2 mois avec un gars. Un gars qui se fait tuer par un individu qui, à son tour, meurt brûlé vif dans un incendie criminel. Que savons-nous de l'individu en question? Que c'est un repris de justice. Il est l'ami de 2 voyous de son espèce. 2 voyous qui, sans raison apparente, disparaissent tout d'un coup sans laisser d'adresse. Ça, c'est bizarre. Moi, en tout cas, je soupçonne une seule et même personne. Daniela. Mais où est-elle? Tout le problème est là. En tout cas, celle-là, elle peut se vanter de nous faire devenir tous dingues. Moi, le premier. Le loup-garou, la pleine lune. Il y a des soirs où j'ai la trouille d'aller me pioter. Depuis que j'ai appris certaines choses, la nuit, j'ai des cauchemars. C'est pas difficile. L'autre nuit, ma femme a dit que je hurlais comme une bête. La forêt de Salès. La forêt de Salès. La forêt de Salès. Vous avez dit la forêt de Salès? Allume les phares.